Heavenly Father, thank you for the great blessing that has been given to us this morning in the name of Jesus. We ask you to guide us by your Holy Spirit. Thank you for the great anointing and great blessing that is released on our lives. In the name of Jesus, we love you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. You may be seated. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Hallelujah. Hallelujah. Now, it is possible for us to have church growth. C'est Amen. Possible d'avoir la croissance de l'église. Hallelujah. Hallelujah. And through church growth, et à travers la croissance de l'église, God is going to bless you greatly. Dieu va vous bénir grandement. And you are going to have all the things that the Lord has decided for you will happen to you in Jesus' name. Et vous aurez tout ce que Dieu a décidé pour votre vie. This book is church growth, and the most important word on it is possible. Ce livre s'intitule La croissance de l'Église, et ce qui est important là-dessus, c'est que c'est écrit c'est possible. It is possible. C'est possible. Amen. Amen. Now, the mega church, la méga église, the mega church, la méga église, is a very also important vision. C'est une vision très importante. And it is possible, et c'est possible, to have a mega church, d'avoir une méga église. Amen. Amen. Are you understanding what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Now, as the enemy sees you trying to accomplish these visions, alors que l'ennemi vous voit en train de accomplir ces visions, hallelujah, hallelujah, he is going to try to fight you. Il va essayer de vous lutter, de vous combattre. Amen. And he's going to do everything. Et il fera tout possible. To make sure de s'assurer that your vision, que votre vision will never happen, n'aura jamais lieu. Amen. Amen. And he's going to try and undo, et il va essayer de défaire everything, tout that you are trying to do, que vous essayez de faire. Hallelujah. Hallelujah. I want you to turn with me to 1 Timothy chapter 1. Ouvrez vos Bibles à 1 Timothée, chapitre 1. And we are going to look at verse 18. Et nous allons regarder le verset 18. This charge I commit unto thee, le commandement que je t'adresse, my son Timothy, Timothée mon enfant, according to the prophecies, selon les prophéties, which went before on thee, faites précédemment à ton sujet, that thou mightest by them, c'est que d'après elles, war a good warfare, tu combattes le bon combat. Amen. Amen. That thou mightest by them, c'est que d'après elles, war, tu combattes. Amen. Amen. War, le combat. You, in other words, God is suggesting, autrement dit, Dieu est en train de suggérer something to you. Suggérer. And what he's suggesting, et ce qu'il suggère, is war. C'est la guerre. Amen. Or Amen. Fighting. Ou le combat. Amen. Amen. Do you understand what I'm saying? Vous comprenez ce que je dis? I'm saying that God is suggesting, je dis que Dieu suggère, an idea, c'est une idée, to you, à vous, and that is the idea, et c'est l'idée, of war, de la guerre. It may not have occurred to you, peut-être ça ne vous est jamais venu à l'esprit, to have a war, d'avoir une guerre, but, mais,
through the Bible, à travers la Bible, you are getting an idea, vous avez une idée, which you may not have had, que vous n'aurez peut-être pas eu, and it's the idea, et c'est l'idée, of war, de la guerre. Amen. Amen. How many have ever thought of being a soldier? Combien ont déjà pensé que vous êtes soldat? Wow. Ont désiré d'être un soldat. You want to be a soldier? Vous voulez être soldat? Not soldat? A soldier for Christ. I mean, just a soldier. Pas un soldat pour Christ, mais un soldat. I see. Je vois. I always wonder why people would want to do something like that. Je me demande toujours pourquoi les gens aimeraient faire quelque chose comme ça. But I think one of the main reasons is for money. Je pense que l'une des raisons principales, c'est pour l'argent. But I wonder why I would want to go to war. Je me demande pourquoi j'irai à la guerre ou de me combattre. Because parce que I just wonder. Je me demande seulement. To summarize what I want to say. Juste pour résumer ce que je veux dire. But mais for the Christian church, mais pour l'église chrétienne and our work, et pour notre travail, there is the idea, il y a une idée, that God is putting, que Dieu est en train de placer, into your head, dans votre esprit, and I'm trying to help you, et j'essaie de vous aider, to put into your head, de mettre dans votre tête, the idea, l'idée, of war, de la guerre. When Hitler, quand Hitler, became the head of state of Germany, est devenu chef d'État de l'Allemagne, the idea, l'idée, of war, de la guerre, was in his head, était dans sa tête. It's only when the idea of war, c'est lorsque l'idée de la guerre, or the idea of fighting, ou l'idée de combattre, is in your head, est dans votre tête, that you can properly go to war, que vous pouvez correctement aller à la guerre. Amen. Amen. So war, donc la guerre, Christians think of war as shouting in tongues. Les chrétiens pensent que la guerre c'est crier en langue. And they say we are doing spiritual warfare. Et ils disent nous sommes en faire un travail spirituel. Then I'm doing spiritual warfare. Je suis en train de faire la guerre spirituelle. But there is much more. Mais il y a plus. To war, à la guerre, and Christian warfare, et la guerre chrétienne, than you may want to think. Que vous pouvez penser. So the first point that I want you to see, donc le premier point que j'aimerais que vous voyez, is that the Lord, c'est que le Seigneur, is putting the idea, il place, il met l'idée, the idea, l'idée, of a war, d'une guerre, in your mind, dans votre esprit. Are you receiving that idea? Est-ce que vous recevez cette idée? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The second idea, la deuxième idée, that God is going to put in your mind, que Dieu est en train de placer dans votre esprit, is the idea, c'est l'idée, of being a soldier. D'être soldat. Turn with me to 2 Timothy. Ouvrez à 2 Timothée. Chapter 2. Le chapitre 2. No man, again, is putting this idea into the head of Timothy. Il, encore, il met cette idée dans la tête de Timothée. The idea of war. L'idée de la guerre. Amen. Amen. It says, no man that warreth, il dit, aucun homme qui fait la guerre, entangleth himself, se entangleth himself, il n'est pas de soldat qui s'embrasse in the affairs, des affaires de la vie, of this life, de la vie, that he may please, s'il veut plaire, him who has chosen him to be a soldier, à celui qui l'a enrôlé. So the second idea, donc la deuxième idée, after God has given the idea of war, après que Dieu vous ait donné l'idée de la guerre, is the idea, c'est l'idée, of being a soldier. Que vous êtes soldat. These two ideas, ces deux idées,
must be put into your head. Doivent être placées dans votre tête. The idea. L'idée. That you there's a war. Qu'il y a une guerre. Now I'll show you something. Je vais vous montrer quelque chose. If you take the president of Ghana. Si vous prenez le président du Ghana. The idea of war. L'idée de la guerre. Is not in his head. N'est pas dans sa tête. Otherwise. Sinon. He would have bought a lot of fighter planes. Il aurait acheté des avions de guerre. Tanks. Des tanks. He would have expanded the army. Il aurait augmenté l'armée. He would have bought a lot of ammunition. Il aurait acheté beaucoup d'ammunition. That idea. Mais cette idée. Is not in his head that he's going dans sa tête. To invade Togo. Comme quoi il va envahir le Togo, par exemple. Or he's going to invade Côte d'Ivoire. Ou bien la Côte d'Ivoire. Even during Côte d'Ivoire. Crisis, même pendant la crise de la Côte d'Ivoire, when he was asked, quand on lui a posé la question, whether he will go to war, s'il allait se combattre, what did he say? Qu'est-ce qu'il a dit? Eat your house trouble, your matter, your. Il a dit. Eat, solve it locally. Solve your problems locally. Il faut que les problèmes soient résolus localement, chacun pour soi. Because the idea. Parce que l'idée of Ghanaian soldiers que les soldats ghanéens going to fight with Ivorian soldiers allaient se combattre avec les soldats ivoiriens has not entered his head. N'est pas venu à son esprit. No. Non. But where you have a leader, mais quand vous avez un leader who, the idea auquel l'idée of war has entered his head, de la guerre est entrée dans sa is tête, very different. Il est très différent. When Hitler became the chancellor quand of Germany, Hitler est devenu chancelier de l'Allemagne. You know the chancellor of Germany. Vous connaissez le chancelier de we l'Allemagne. We had Helmut Kohl, the chancellor. Vous avez Helmut Kohl. And then now we have the woman. What is her name? Merkel, Angela Merkel. Nous avons maintenant une femme. Hitler became the chancellor. Est devenu he chancelier. Was the chancellor. C'était le chancelier of Germany. De l'Allemagne. In 1932, I think. En 1932, or 33. And for the 6 years, et pendant les 6 années, that he was the chancellor, il était le chancelier. He was the chancellor until he died. Ou il était chancelier jusqu'à sa mort. He organized the politics. Il organisait la politique. In such a way, d'une manière à ce que that he had full control. Qu'il avait le plein contrôle. And then all he did et tout ce qu'il faisait for the next 6 years pendant les 6 années à suivre was to prepare c'était à se préparer for war. À la guerre. Building tanks, il bâtissait des tanks, planes, les avions, ammunition, la munition, guns, les fusils, everything. Tout. But all the countries around, mais tous les pays autour, they couldn't imagine, ils ne pouvaient pas s'imaginer, something like that, quelque chose comme ça, would happen, devait se produire. They couldn't even, they didn't even think about ils it. Ils ne pensaient même pas. So, his first step, donc son premier pas, was to break a treaty that had been signed after the First World War. C'était de rompre un accord qui avait été signé après la Première treaty, Guerre mondiale. And take back a certain area that had been agreed to be a no man's land. Et il a repris un terrain qui normalement devait être une terre à personne. The Sudeten lands. Les terres Sudeten. And then after that, et après cela, he said that Austria, il disait que l'Autriche, Austria is one of three countries that speak German. C'est un des trois pays qui parlent l'Allemagne. German is spoken in Germany. L'allemand est parlé en Allemagne. Austria, en Autriche, and Switzerland. Et en Suisse. And he said the people, et il disait que le in peuple, Austria, en Autriche, are also Germans. Sont aussi allemands. Yeah. So because of that, et à cause de cela, they should be part of Germany. Ils devaient faire partie de l'Allemagne. So they couldn't believe it. Ils ne pouvaient pas le croire. Because the presidents of these countries donc, are not thinking about war. Les présidents de ces pays ne pensaient pas à la guerre. So when you are a pastor, donc quand vous êtes pasteur, and you are not thinking about war, et vous ne pensez pas à la guerre,
The things that will happen to you, les choses qui vont vous arriver, you will never forget. Vous n'oublierez jamais. I tell you. Je vous dis. Yeah, you will never forget. Vous n'oublierez jamais. Because you are thinking of peace. Parce que vous pensez à la paix. But somebody, mais quelqu'un, is thinking, il pense, of war, de la guerre. That is all that he is thinking c'est about. C'est tout ce dont il pense. And as pastors, et en tant que pasteur, we have an enemy, nous avons un ennemi, who is thinking, qui pense, only, seulement, about war, de la guerre. When most of us, quand la plupart d'entre nous, are just thinking of, nous pensons, love, de l'amour, peace, la paix, joy, la joie. Hey! Hey! What a shock! Quel choc! So Austria, donc l'Autriche, Hitler marched in. Hitler a envahi. Early in the morning. Tôt le matin. They just drove. Ils ont conduit des voitures, des camions. They drove and he himself drove in. Et lui aussi, il était au volant. And stood in an open car. Et il s'est placé dans une voiture ouverte. Waving. Et il saluait. And took over. Et il a pris le contrôle. Vienna. De Vienne. And Austria. Et l'Autriche. Just like that. Juste comme ça. Hey. And added it et l'ajouté to Germany. À l'Allemagne. The Prime Minister of England, le Premier ministre d'Angleterre, Neville Chamberlain, kept flying to Germany. Il voyageait souvent à l'Allemagne. To talk about peace. Afin de parler de la paix. With Hitler. Avec Hitler. And up till today, et jusqu'aujourd'hui, he is blamed. Il est blâmé for the way Hitler was able, de la manière à ce que Hitler to do some of the things that he did, de faire ce qu'il faisait, because he did not take, parce qu'il n'a pas pris, a strong stand, une position dure, on Hitler, envers Hitler. So as soon as the war began, and it began on the 1st of September, donc dès que la guerre a commencé le 1er septembre, 1939. 1939. After Hitler has taken the Sudetenlands. Après que Hitler ait pris les terres Sudeten. After he has annexed Austria. Et après avoir annexé. And nobody has said anything. Et personne n'avait rien dit. He started to build up his troops on the border of Poland. Il commençait à établir ses hommes sur la frontière de la Pologne. And Poland, et la Pologne, were not also expecting anything bad. N'attendaient pas quelque chose de mauvaise. Neville Chamberlain, and the other prime ministers, et les autres premiers ministres, were watching him. Ils le regardaient. All the tanks were at the border. Tous les tanks étaient à la frontière. The troops were at the border. Les soldats étaient because à la frontière. The border between Germany and Poland is just like Ghana and Côte d'Ivoire. Parce que la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, c'est comme le Ghana et la Côte d'Ivoire. You drive, vous conduisez, you are there. Vous y êtes. And on the 1st of September, et le 1er septembre 1939, Hitler est entré to Poland. En Pologne. This time, cette fois-ci, they fought with him. Ils ont combattu. But within a couple of days, mais dans deux jours, they were in Warsaw, ils étaient à Varsovie, the capital of Poland, la capitale de la Pologne. And by the time Hitler left Poland, et quand Hitler a quitté la Pologne, in all about 50 million people, en tout 50 millions de personnes, died in the Second World War, sont morts dans la deuxième guerre mondiale. Hitler caused the death of 50 million people. Hitler a causé la mort de 50 millions de personnes. If you play with somebody whose mind is on war, si vous jouez avec quelqu'un qui a l'esprit de la guerre, you will be very surprised what will happen to you in the ministry. Vous serez très étonné de ce qui va vous arriver dans le ministère. You'll be very surprised. Vous serez très you will never étonné. Forget. Tell somebody you will never forget what will happen to jamais. You. Vous n'oublierez jamais. Dites à quelqu'un, vous n'oublierez jamais. Hey. Out of the 50 million people, et parmi ces 50 millions de personnes, about between 15 to 20 million out of only Poland, presque 15 ou 20 millions de personnes juste en Pologne were killed. Étaient tués. This is what happens. C'est ce qui arrive
When you think about peace, lorsque vous vous pensez à la paix, when somebody is thinking about war, et quelqu'un pense à la guerre, yeah, oui. When you relax, quand vous vous êtes relax, and feel that it's the love of God that is at work, et vous pensez que c'est l'amour de Dieu qui fonctionne, God's love is just moving. L'amour de Dieu s'émeut. Every day you are singing, let there be love. Tous les jours vous chantez. Que l'amour let se répand, there be love que l'amour in our se répand dans nos cœurs, and may this love et que cet amour fill this nation, remplisse cette nation, cause us, oh Lord, et permet, Seigneur, que nous nous levons. Give us a fresh, donne-nous une compréhension fraîche of brotherly de l'amour fraternel that is real, qui est réel. Qu'il y ait de l'amour partagé librement. Qu'il y ait de l'amour. These are the only songs that you sing. Ce sont les chants que vous chantez. But you must learn how to say Ezamina mina. Ezamina mina. Ezamina mina. Apprendre à crier. Ezamina mina. Les chants de guerre. Ezamina mina. Ezamina mina. Ezamina mina. You see, when you say examina, that you say orangu, examina, 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 orangus, les orangus, rebels, les rebelles, those who forget, ceux qui oublient, those who pretend, ceux qui prétendent, those who accuse you, ceux qui vous accusent, and above all, those who leave you, et surtout ceux qui vous quittent. If you are only going to be singing si love vous allez songs, chanter seulement les chants d'amour, you will be very surprised. Vous serez très étonné. Vous serez très étonné dans l'église. You will never forget what will happen vous, to you. Vous n'oublierez jamais ce qui vous arrivera dans le ministère. Everything that you do will be destroyed. Tout ce que vous faites sera détruit. You will see pepper. Vous verrez le piment and fire. Et le feu. You keep on singing love songs. Continuez à chanter des chants d'amour. How I love you, comme Lord. Je vous aime, Seigneur. You are my only God. Vous êtes mon seul Dieu. Hey! I can see your face. Je peux voir votre visage. I see your glory and your grace. You only sing glory. And when you speak to me, parlez, oh Lord, you set my spirit free. Tu libères mon esprit. And words can never tell. Les mots ne peuvent jamais dire. How I love je you, t'aime, Lord. Seigneur. Come on, sing it. Oh, is it, how is it not I love you, Lord. Oh, you are my only God. I can see your face. I see your glory and your grace. When you speak to me, you set my spirit free. And words can never tell just how I love you. Combien je t'aime, Seigneur. Lord, to me, your love is overwhelming. Ton amour me dépasse. Oh, Lord, you are my glory. You are my everything. Tu es ma gloire, tu es mon tout. Forever you are the only King. My life, my altar, you I bring. With all I have, I lift my hands and say, how I love you, Lord. You are my only God. I can see your face, your glory and your grace. When you speak to me, you set my spirit. We are not going to only sing sad songs. Nous n'allons pas seulement chanter les chants pareils. We are going to sing army songs. Mais nous allons chanter des chants de guerre de l'armée. So I need you. Donc j'ai besoin que vous to have a mind. Et vous ayez un esprit of
fighting, de combat, that idea, cette idée, should enter your head, doit entrer dans votre tête, so that, pour que, you do well, vous réussissez, because it is nice to say, parce que c'est beau à dire, three visions, j'ai trois visions, the vision of a mega church, la vision d'une méga église, the vision of a growing church, la vision d'une église qui croît, and the vision of an octopus church, et une vision d'une église pieuse. It's a nice idea. C'est une bonne idée, une belle idée. Satan has also heard it. Mais Satan aussi l'a entendu. And he is going to fight you properly. Et il va vous combattre correctement. So I need you to be have a mind. Donc je veux que vous ayez cet esprit fighting a war. De combattre une guerre. So what is war? Donc c'est quoi la guerre? Number one. Numéro un. It is an act of violence. C'est un acte de violence. Intended to compel qui est, our opponent to fulfill our will. Qui oblige l'opposé de accomplir notre volonté. It's an act of violence. C'est un acte de violence. Intended to compel qui est censé obliger our opponent notre opposé to fulfill our will. De remplir ou de remplir notre volonté. Number two. Numéro deux. It is striving s'efforcer to compel d'obliger the other side l'autre côté to submit de se soumettre to our will à notre volonté. I say it again. Je le dis encore. War is an act of violence. You see, it's not. Anyway. La guerre, c'est un acte de violence. More. Intended. C'est pour but. To compel. D'obliger. Everybody say compel. Obliger. Dites obliger. Compel. Dites obliger. Our opponent. Notre adversaire. To submit. De se soumettre. To fulfill et de remplir our will. Notre volonté. The first one is volonté. To fulfill our will. La première, c'est and accomplir the notre volonté. Et deuxièmement, is that it is striving et c'est force by physical force par la force physique. And I'm showing you what war is defined as. Et je vous montre ce que la signification de la guerre. To compel the other d'obliger l'autre to submit de se soumettre to our will. À notre volonté. Yeah. Oui. So, donc, as England, comme l'Angleterre, amen. Amen. Fighting in Libya, ce combat en Libye, they are trying to compel, ils sont en train de efforcer Gaddafi, ou obliger Gaddafi. To fulfill their will. De accomplir leur volonté. They don't want him there. Ils ne veulent pas qu'il soit là. So they are using force. Donc ils utilisent la force. To compel him. D'obliger. To submit. De se soumettre. To their wishes. À leur volonté. Of Europe. Aux volontés de l'Europe. They have used the UN. Ils ont utilisé les Nations Unies. Treaties. Les accords. Democracy. La démocratie. It's not working. Ça ne marche pas. And now, et maintenant, the use of force. C'est, il se sert de la force. That is what the war is. Ça c'est la guerre. In the church, dans l'église, as a pastor, en tant que pasteur, it is not the use of force. Ce n'est pas se servir physical de la force, force but it's the physique, use of every other means. C'est, mais de se servir d'autres choses, d'autres every moyens. Every other means. Tout autre moyen. Spiritual. Spirituel. The word. La parole. Wisdom. La sagesse. Teaching, les enseignements, any weapon, toute arme that we have, que nous avons, for the weapons of our warfare are not carnal, car les armes de notre combat but, ne sont pas they are weapons, mais ce sont des armes, and they are enough weapons to compel, et ils se sont assez pour and obliger, to force et obliger the other side, l'autre côté, to submit, de se soumettre to our will, à notre volonté. Amen. Amen. Now, I'm going to make another statement. Je vais faire encore une déclaration. Philanthropists, les philanthropes,
A philanthropist, les philanthropes, is a person, c'est une personne who seeks to promote the welfare of others, qui cherche à promouvoir le bien-être des autres, by the generous donation, par les dons généreux, of money, de l'argent, to good causes, à des bonnes causes. That is a philanthropist. Ça c'est un philanthrope. So, like when you have a philanthropic mind, donc quand vous avez un esprit philanthrope, your mind is just to promote the welfare. Votre esprit c'est juste de promouvoir le bien-être of others. Des autres. But in the church, mais dans l'église, if you promote the welfare, si vous promouvez le bien-être, rebels, des rebelles, and disloyal people, et les gens déloyaux. You are raising up your own executioners. Vous êtes en train d'élever vos propres meurtriers ou tueurs. You are laying hands on devils. Vous êtes en train d'imposer les mains sur and les the diables. Devils will prosper. Et les diables vont prospérer. And fight against ils you. Ils vont se lutter contre vous. So, a philanthropic mind. Donc un esprit philanthropiste. May easily imagine. Peuvent facilement imaginer. That there is a nice way qu'il y a une manière gentille of disarming de désarmer and overcoming et surmonter ou vaincre an enemy un ennemi without bloodshed. Sans qu'il y ait de coulement de sang. And you must not have a philanthropic mind. Et il ne faut pas avoir un esprit de philanthrope. When you are dealing with disloyalty, quand vous traitez avec la déloyauté and the enemies et les ennemis of your life and ministry, de votre vie et de votre ministère. Amen. Amen. You must not have a kind, vous ne devez pas avoir welfare seeking un esprit de bien-être, attitude, une attitude de chercher le bien-être towards things that have in the intention of killing you, envers des choses qui ont l'intention de vous tuer. Look. What is the use? Donc à quoi ça sert? Of building all your money. De bâtir ou using all your money to build a house. D'utiliser tout votre argent de construire somebody une maison. Somebody comes to break it down. Et quelqu'un vient le briser. Huh? Le détruire. Is it a good thing? Est-ce que c'est une bonne chose? Or something? Ou bien quelque chose? Fights. Lutte. The making of that thing. Ce que vous êtes en train de faire. You must not have a philanthropic mind. Il ne faut pas avoir un esprit de philanthrope. About disarming. Au sujet de la désarmement. Disarming. Oui. And overcoming. Et le vaincre. An enemy. Un ennemi. You have to have a mind. Vous devez avoir l'esprit. To disarm. De désarmer. The enemy. L'ennemi. Of the church. De l'église. So that he is powerless. Pour qu'il soit sans puissance. To destroy. What you are building. Détruire ce que vous êtes en train Hallelujah. De bâtir. Lift your hands and say, I will disarm my enemies. Levez les mains et dites, je vais désarmer mon ennemi dans le nom de Jésus. I will overcome my enemies. Je vais vaincre mes ennemis. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. The next point, I'm just defining war. Le point suivant, je définis seulement la guerre. War is such a dangerous thing. La guerre est tellement dangereuse that the errors que les erreurs that proceed qui précèdent from a spirit of benevolence d'un esprit de bénévole are the worst kind of errors. Sont les pires des erreurs. I'll say it again. Je le dis encore. War is such a dangerous thing. La guerre est tellement dangereuse. You can write it out. I'll give you exactly what. War is such a dangerous thing. La guerre est tellement dangereuse. That the errors. Que les erreurs. Or the mistakes. Ou les erreurs. Which proceed. Qui précèdent. From a spirit of benevolence. D'un esprit de bénévolat. Or the spirit of kindness. Ou l'esprit de gentillesse. Are the worst. Sont les pires. Kind of mistakes you can des make. Des erreurs que vous pouvez faire. I'll say it again. Je le I'll dis say encore. It four times je more peux if le you dire want. Quatre fois, même si vous voulez. War la guerre is such a dangerous thing est tellement dangereuse that the error que les erreurs that proceed qui précèdent from the spirit d'un esprit of benevolence de bénévolat. Benevolence means kindness. La
bénévolat, love, veut dire la gentillesse, l'amour, la patience, goodness, la bonté, the errors, les erreurs that proceed qui précèdent from the spirit of benevolence, de l'esprit de bénévolat, and the worst kind of errors, sont les pires des erreurs. That is why, as when the war began on the 1st of September, c'est pourquoi quand la guerre a commencé le 1er septembre, the Prime Minister of England resigned. Le Premier ministre d'Angleterre s'est démissionné. Because he has made a big error. Parce qu'il avait commis une grave erreur. In dealing with Hitler, en traitant avec Hitler, with the spirit of benevolence. Avec un esprit de bénévolat. You see, vous voyez, Neville Chamberlain, flying for peace talks with Hitler. Il voyageait pour les discours de paix avec Hitler. Taking pictures with Hitler. Il prenait des photos avec Hitler. Going to his mountain. Aller à la montagne. Headquarters. Le siège qui se trouvait à la montagne. Discussing with this man. Il discutait avec cet homme. Instead of making tanks. Au lieu de faire des tanks and planes, et les avions. So when the war started, quand la guerre a commencé, they didn't have weapons. Ils n'avaient pas les armes. Nobody had weapons. Personne n'était armé. The idea of war, parce que l'idée de la guerre n'était pas entrée dans son esprit. And war is such a dangerous thing, et la guerre est tellement dangereuse that the errors, que les erreurs, the mistakes, les fautes that proceed qui précèdent from the spirit d'un esprit of benevolence, du bénévolat are the worst kind sont of les mistakes. Pires des erreurs. A person can never une make. Personne ne peut the faire worst. Les pires, les plus and pires. Hitler caused the deaths of 50 et million Hitler people. A causé la mort de 50 millions de personnes. And it was an error. C'était une erreur. And that is why disloyalty. Et c'est pourquoi la déloyauté. Breakaways. Les ceux qui brisent les églises. The fight. Les luttes. Against those who leave you. Contre ceux qui vous quittent. And those who accuse you, ceux qui vous accusent, those who forget, ceux qui oublient, those who are disloyal, et ceux qui sont déloyaux, it's not something that you, if you take lightly, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. You will ever regret. It's the worst kind of mistake. C'est le pire des erreurs that you can make que vous pouvez faire in your ministry, dans votre ministère. Yeah. The next definition of war. La définition suivante de la guerre. Or fact about war. Ou vérité selon au sujet de la guerre. It is an absurdity. C'est une absurdité. To introduce. De présenter. The principle. D'introduire les of principes. Moderation. De modération, de la modération. Into the philosophy of war. Dans la philosophie de la guerre. It is an absurdity. C'est une absurdité. To introduce. De introduire. The principle. Les principes. Of moderation. De la modération. Into the philosophy. Dans la philosophie. Of war. De la guerre. It is an absurdity. C'est absurde. Because your enemy is not moderate. Parce que votre ennemi n'est pas modéré. In his intentions. Dans ses intentions. So as you are introducing the principle of moderation, alors que vous présentez, vous introduisez le principe de la modération, moitié-moitié, dealings, de traiter with disloyal, those avec, who are disloyal, avec ceux qui sont déloyaux, those who are pretending, ceux qui prétendent, those who are accusing you, ceux qui vous accusent, and those who leave you, et ceux qui vous quittent. I'll come to those who leave you because je vais parler de ceux qui vous quittent. Those who leave you, parce que ceux qui vous quittent. Are some of the most dangerous people. Sont parmi les gens les plus dangereux. And I will show you why. Et je vous montrerai pourquoi. Somebody may say, so if somebody leaves a church, quelqu'un peut dire, mais si quelqu'un quitte une église, is he a bad person? Est-ce qu'il est mauvais? Not necessarily. Pas forcément. But there are things that those who leave you do. Mais il y a des choses qu'ils font. That they always say they are not doing. Qu'ils disent qu'ils ne font pas. But they are doing. Mais ils le font. They are doing, but they say they are not ils doing. Ils le font, mais ils disent qu'ils ne le font pas. That's why I took my time to write only about them. C'est pourquoi j'ai pris le temps d'écrire seulement à leur those sujet. Who leave you. Ceux qui vous quittent. It is an absurdity. C'est une absurdité. To do what? De faire quoi? To introduce. De introduire. The principle les of principes moderation de la modération. In the philosophy dans la philosophie of war. De la guerre. Hey! Hey!
What a fact. Quelle vérité. The aim, the next l'objectif about war, the aim l'objectif of all action de toutes les actions in war dans la guerre is to disarm c'est de désarmer the enemy. L'ennemi. Yeah. The next one. Le suivant. We must place our opponents. Nous devons placer nos adversaires. In war. Dans la guerre. In war. Dans la guerre. We must place our opponents. Nous devons placer nos adversaires. In a situation. Dans une situation. Which is more oppressive. Qui est plus opprimant. To him. À lui. Than. Que. We in war. Dans la guerre, we must place nous devons our placer enemy nos adversaires in a situation dans une situation which is more qui oppressive est to him plus opprimant à lui than what he is doing to us. Que ce qu'il nous fait à nous. Yeah. We must place him in a situation vous devez le placer dans une situation more oppressive. Plus opprimante. Yeah. The next principle of war. Le principe suivant de la guerre. In war, dans la guerre, as long as the enemy is not defeated, si he may defeat me. Tant que l'ennemi n'est pas encore vaincu, il peut me vaincre. As long as the enemy is not defeated, tant que l'ennemi n'est pas he may vaincu, defeat me. Il peut me vaincre. And then I shall no longer be my own master. Et je ne serai plus mon propre maître. And he will dictate the law to me as I did to him. Et il va me dicter la loi comme moi je lui ai fait. As long as the enemy is not defeated, aussi longtemps que l'ennemi n'est pas encore vaincu, il peut me vaincre. Then I shall no longer be my own Et master. Et je ne serai plus mon propre maître. Yeah. Oui. And he shall dictate. Et il va dicter. The law to la, me, la, il va me dicter as la loi, I did to him. Alors, comme je le lui ai fait. Merci. Miséricorde. As long as the enemy is not defeated, aussi longtemps que l'ennemi n'est pas vaincu, hein, he may defeat me. Il peut me vaincre. So you sit down. Donc vous asseyez-vous. And be content as enemies are all around. Alors que les ennemis sont autour. As long as he is not defeated, aussi longtemps qu'il n'est pas vaincu and disarmed, et désarmé. He may il peut defeat you. Me vaincre. Then he will dictate et il va dicter how things will be comment les choses vont in your church dans votre église and in your ministry. Et dans votre ministère. And you'll be surprised. Et vous serez étonné. You'll be surprised. Vous serez étonné. As long when you have a rebel quand vous avez un rebelle freely moving around qui s'émeut librement he can dictate il peut dicter the things les choses that are happening and that should happen in your qui church. Arrive et qui devrait arriver dans votre église. There are people il y a des gens that should not be allowed qui ne doivent pas, qui ne to freely pas move around. They should not be allowed. Librement. As long as they are around, tant qu'ils sont they autour, may defeat you. Ils peuvent vous vaincre. Eish. Number what? Numéro 8. In war, dans la guerre, if we desire to defeat the enemy, si nous avons le désir de vaincre l'ennemi, we must proportion our efforts. Nous devons mettre en proportion nos efforts. To his powers. Nous devons égaliser of nos efforts of resistance. À ses pouvoirs de résistance. We must proportion our efforts. Nous devons mettre nos efforts to, en égalité. To his powers. À ses pouvoirs. Of resistance. De résistance. Whatever the powers, peu importe les pouvoirs, whatever the powers, peu importe les pouvoirs, the person has, la personne a,
He will. Il fera. He will use it. Il le utilisera. To resist you. À vous résister. And fight you. Et vous combattre. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? Are you listening Est-ce to me? Est-ce que vous m'écoutez? So you have to proportion your efforts. Donc vous devez mettre à égalité vos efforts. To the powers. Au pouvoir. Of resistance. De résistance. Of the enemy. De l'ennemi. Now, this is a very important point. Ça c'est un point très important. Because people do not proportion. Parce que les gens efforts ne mettent pas à l'égalité. Against les efforts the powers contre of resistance of the enemy. Pouvoir de résistance de l'ennemi. You see, they will develop church growth. Ils se développent la croissance de l'église. Prayer life. Leur vie de prière. Marital counseling. Les conseils de mariage. What? Social activities. Les activités sociales. Visitation. Les visites. Music. Ministry, le ministère de la musique, but the proportion, mais la proportion of your efforts, de vos efforts towards envers disloyalty, la déloyauté must be proportional, doit être égal to the powers of resistance, au pouvoir de résistance, and they are not small powers, et ce sont pas des petits pouvoirs, they are not small powers, ce sont pas petits les pouvoirs, because you are fighting against the devil, vous luttez contre le diable, you are fighting against the opposite of the will of God. Vous luttez contre l'opposé de la volonté de Dieu. When Jesus declared, "I will build my church," quand Jésus a déclaré, je bâtirai mon église. Satan has risen up. Satan s'est levé. To say no. Pour dire non. The church will not be built. L'église ne sera pas bâtie. The pastors will not stand. Les pasteurs ne vont pas se tenir. The pastors will fall. Ils vont tomber. The churches will never work. Les églises ne vont pas fonctionner. The church will not grow. Les églises ne vont pas grandir. Even though you see that he's doing well. Bien que vous voyez qu'il réussit. I'm going to destroy him. Je vais le détruire. It's just a matter of time. C'est juste l'intention de l'ennemi. Si vous ne savez pas, je vous le dis. Anytime a young man gets up. À chaque fois qu'un jeune homme se lève, I'm going to work for God. Il dit, je vais travailler pour Dieu. I'm going to preach for the Lord. Je vais prêcher pour le Seigneur. Satan said, really? Satan dit, vraiment? You're going to do what? Vous allez faire quoi? And he will stand and fight against you. Et il va se lever et vous combattre. With everything. Avec tout. That he has. Qu'il a. To destroy you. Pour vous, afin de vous détruire. So you must proportion your efforts. Donc vous devez mettre en proportion vos efforts. A lot of efforts. Beaucoup d'efforts. Must be given. Doit être donné. To overcome. À vaincre. The resistance. La résistance. The powers. Les pouvoirs. Of resistance. De résistance. In your life. Dans votre vie. Amen. Amen. The next one. Le suivant. War, la guerre, is never, n'est jamais, an isolated act. Un acte isolé. Amen. Amen. War is never, la guerre n'est jamais, an isolated act. Un acte isolé. Amen. Amen. It is a series. C'est une série of things that are planned against you. De choses qui sont planifiées contre vous. War is not about suddenly one bomb somewhere. La guerre n'est pas question d'une bombe, une seule bombe tombée quelque part. That is not war. Ça c'est pas la guerre. Amen. Amen. War is not an isolated act. La guerre n'est pas un acte isolé. And it does not consist of a single instantaneous blow. Et il ne s'agit pas d'un simple coup instantané. Are you there? Vous êtes là?
All right. D'accord. Now, the solutions in war. Les solutions dans la guerre. It never also an isolated act. Ne sont jamais, ne sont non plus des actes isolés. And an instantaneous blow. Et un coup instantané. Amen. Amen. A solution. Les solutions to war à la guerre is not ne sont pas an isolated act. Un acte isolé. Or an instantaneous blow. Ou un coup instantané. Because the enemy is not giving you just one isolated act. Parce que l'ennemi non plus il ne vous donne pas un acte isolé. And neither is he giving you just one instantaneous blow. Non plus il ne vous donne pas un coup instantané. The solution to war, une solution à la guerre, is a series. C'est une série of continuous solutions. Des solutions continuelles. That you must continue to come up with. Que vous devez continuer à développer. Amen. Amen. Are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? Hallelujah. Hallelujah. Now, we are getting to the end. Alors nous allons vers la fin. The conquered opponent. L'adversaire vaincu often sees it only il voit souvent as a passing evil. Il le voit seulement comme un mal passant. Which may be repaired. Qui peut être réparé. After some time, après un peu de temps, the conquered individual opponent, la personne vaincue, l'adversaire, never fully accepts defeat. Il n'accepte pas vraiment jamais le d'être vaincu. Did you get that? He never fully accepts defeat. Il n'accepte pas vraiment la défaite. Sees it only as a passing evil. Mais il le voit seulement comme un mal qui passe. Which may be repaired qui peut être réparé in the process of time. Avec le temps. So when the enemy donc quand l'ennemi is conquered est vaincu or seems to be conquered, ou a l'air d'être vaincu, you must always remember vous devez toujours vous rappeler that he sees it qu'il le voit only seulement as a passing evil. Comme un mal passant. That is why c'est pourquoi it's never an instantaneous act. Ce n'est jamais un acte an instantané. Isolated act. Un acte isolé. Something that happens just suddenly. Quelque chose qui arrive d'un coup. And it is over. Et c'est fini. No. No. I have been fighting against people that are trying to destroy the church. Moi, je lutte contre les gens qui essaient de détruire l'église. Fighting against devils. Je lutte contre les diables. For years. Pendant des années. And it's not over. Et ce n'est pas encore fini. Because parce que even some people mais il y a des gens are disloyal, ils sont déloyaux, but they are in the system. Mais ils sont dans le système. And they are incapable because they are disarmed. Mais ils ne sont pas capables parce qu'ils sont désarmés. And overpowered for et now. Ils sont vaincus pour but le moment. In their spirits, mais dans leurs esprits, they see it as a passing evil, ils pensent, ils prennent which ça comme can un be mal repaired with time. Passe. Et and ça with peut être time, préparé avec du they temps. Will be stronger et avec du temps, and ils seront able plus forts operate. Et ils peuvent opérer. Yeah. That is why c'est pourquoi war is not something isolated that la guerre n'est pas quelque chose d'isolé. I've killed something this year, j'ai tué quelque chose cette année. And it's over. Et c'est fini. For Lucifer, pour Lucifer, to say to God Almighty, de dire à Dieu Tout-Puissant, I will ascend. Je montrerai. He told God, I'm coming to get you. Il a dit, je viens te chercher. Have you watched Rambo? Est-ce que vous avez suivi Rambo? How many have watched Rambo le before? Film Rambo. Combien ont suivi le film Rambo? How many have not watched it before? Combien n'ont jamais suivi ce film? You have to watch it. Vous devez part le two. Suivre, le part, la partie 2. When Rambo was in, on the field, quand Rambo était sur le terrain, and they abandoned him. Ils l'ont abandonné. On direct command. Sur les ordres directs. Rambo was captured by the Vietnamese soldiers. Il a été capturé par les Vietnamiens, les soldats and they vietnamiens. Were torturing him. Et ils le torturaient. And the captain of the Russians. Et le capitaine des Russes. Told him. Lui a dit. Radio your commander. Il faut envoyer un message à votre commandant. And inform him et l'informer that you have been captured. Que vous avez été capturé. And that he shouldn't send people like you again. Et il ne doit pas envoyer des gens comme vous encore. Hey!
And so Rambo took the radio. Et Rambo a pris la radio. At first he said he won't do it. D'abord, en premier lieu, il a dit non. Then they took a knife. Et ils ont pris un couteau. And they were coming to remove somebody's eye. Et ils devaient enlever l'œil de quelqu'un. So he said, okay, donc I'll do it. Donc il a dit d'accord, d'accord, je le ferai. So they gave him the radio. Donc ils ont donné la radio. And they told him to call his commander. Et ils lui ont demandé d'appeler le commandant. So he took the radio. Donc il a pris la radio. And he called. Et il a appelé. Dragonfly calling wolf den. Libellule, j'appelle le... Dragonfly calling wolf den. La libellule qui appelle and le loup. After some time, there was an answer. Et après un temps, il y avait... Wolf den calling dragonfly. Une réponse. Le loup appelle la libellule. And the commander said... Et le commandant a dit... Colorful names. Les noms sont très jolis. Colorful names. Les noms sont très coloriés. Dragonfly. Libellule. So when he called the commander, he said, Murdoch. Et il a appelé le commandant, il a dit, Murdoch, Murdoch. And Murdoch said, Murdoch is the commander. Said, yes, Rambo, where are you? Et puis le commandant dit, oui, Rambo, tu es où? Give us your location. Donne-nous ta location. We'll come and pick ton local. You. On vient te chercher. And Rambo said, et Rambo a dit, I'm coming to get you. Je viens te chercher. I'm coming to get you. Je viens te chercher. You abandoned me. C'est toi qui m'as abandonné. I'm coming to get you. Moi, je viens te chercher. Hey! Hey! The guy was shaking. Le gars commençait à trembler. Trembling. What a shock. Quel choc. When the soldier that you sent, quand le soldat que tu envoies, calls his commander, il appelle son commandant, and tells the commander, et il dit au commandant, I'm coming to get je you. Je viens te chercher. And this is what Satan told God. Et c'est ce que Satan a dit à Dieu. I will ascend. Je montrerai. I'm coming there. Je viens là-bas. I'm coming to the je throne. Je viens au trône. Hey! À la trône. You see, this one, it shows you who you are dealing with. Ça vous montre la personne avec qui somebody vous traitez. Who doesn't respect anybody. Quelqu'un qui ne respecte personne. So no matter how great. Donc peu importe la grandeur. A man of God is. Un homme de Dieu est. As you get greater and greater. Alors que vous devenez plus you grand. You would think that people will become more respectful. Vous penserez que les gens deviendraient plus and respectueux. And that there will be no rebel, no disloyal person. Rebelles, ni les gens déloyaux. But you will be surprised. Mais vous serez étonnés. Because the spirit of Lucifer. Parce que l'esprit de Lucifer. Has no respect at all for the highest kind of person or whoever. La personne la plus élevée. That is Lucifer. Ça c'est Lucifer. He has no respect for il n'a aucun respect. If he didn't respect God, s'il n'a pas de respect pour Dieu, you a bishop. Et vous êtes un simple évêque. You are a pastor. Vous êtes un pasteur. Oh, you are nothing. Vous n'êtes rien. Even God. Même Dieu. He called himself God. Il a dit Dieu. God. Dieu. I'm coming to get you. Je viens te chercher. I'm coming to je remove viens, you from your throne. Je viens t'enlever de ton trône. God, Dieu, Jehovah, can you hear me? Est-ce que tu m'entends? I'm coming up there. Je viens là-bas. I'm coming to get you. Je viens te chercher. What type of person mais is this? Mais c'est quel genre de personne ça? And that is why he has no reverence. Et c'est pourquoi il n'a pas de révérence pour les pasteurs. Bishops, les évêques, archbishops, les archevêques, whatever, qui, n'importe it's qui. A spirit of no respect. C'est un esprit de manque no de respect. Respect. Manque de respect. No respect. Manque de respect. For whichever authority. Pour n'importe quelle autorité. I tell you. Je vous dis. It's the spirit of Lucifer. C'est l'esprit de Lucifer. It's no respect. Il ne respecte personne. And that is why you see people. C'est pourquoi vous voyez les gens. Who don't show respect. Qui ne montrent pas le respect. They don't have a place. Ils n'ont pas de place. That they stop. Où ils s'arrêtent. They don't have a barrier. Ils n'ont pas de barrière. Which they can't cross. Auquel ils ne peuvent pas traverser. They have no respect for anything. Ils n'ont pas de respect pour rien. Watch out for people who are rude to you. Faites attention aux gens qui sont impolis envers yeah. vous. Watch out for people who in times of anger. Faites attention aux gens qui sont en colère. And stress. Et les temps de stress. They say anything. Ils disent n'importe quoi. And things come out. Et les choses sortent. After they say sorry. Et après ils disent oh je suis watch désolé. Out. Faites attention. They are dangerous people. Ce sont des gens dangereux. But they are revealing. Parce qu'ils se révèlent. Capabilities. Leurs capacités. Ah. Oui. I was shocked. J'étais choqué. When I heard somebody. Quand j'ai entendu quelqu'un. Was telling Archbishop Idahosa. Il disait à l'archevêque Idahosa. Some time before he died. Juste avant de sa mort. Avant telling sa mort. Him, I'll slap you. Il lui a dit, je te giflerai.
I'll slap you. Or you need to be slapped. Ou tu as besoin d'être giflé. So he told him, you need to be slapped. Il a dit, tu as besoin d'être giflé. A pastor. Un pasteur. I said, hey. J'ai dit, what? There are people who have no boundaries. Il y a des gens qui n'ont pas de barrières. And it's the spirit of Lucifer. Et c'est l'esprit de Lucifer. That says, I'm coming there, you dit, see. Je viens come là-bas. Up there. Je viendrai là-bas, là-haut. And God said, you forgot. Et Dieu a dit, tu as oublié. That I set you que c'est up. Moi qui t'ai établi. I made you what you are. C'est moi qui t'ai fait I ce que tu es. You. J'ai été créé. That's where all those things come from. C'est de là où toutes ces choses viennent. When you start telling people, quand vous commencez à dire aux gens, I helped you. Je vous ai aidé. I made you. Je vous ai créé. I gave you this. Je vous ai donné I ceci. I did this for you. J'ai fait ceci means pour vous. Something wrong. Ça veut dire qu'il y a quelque chose the qui ne va pas. Already off course. La personne est déjà hors you chemin. Start explaining. Et ça, do you know what I did for you? Est-ce que quand vous commencez à you know how I helped you. Vous savez comment j'ai you remember aidé? This. Vous souvenez-vous you remember ça? That. Vous vous souvenez I de did ça? This for you. Tu te souviens de I ça? Did j'ai that fait for ceci you. Pour toi? When you start to explain. Quand tu dois t'expliquer. You start to explain. Commence à expliquer. You start to explain. Commence à expliquer. Then that is what God did. C'est ce que Dieu when a fait. When he told Lucifer. Il a appelé Lucifer. You have forgotten. Il a dit tu as oublié. That I set you. Que c'est moi qui t'ai I created you. Je t'ai créé. I made you. Je t'ai fait. You were nothing. Tu n'étais rien. Nobody knew you. Personne ne te connaissait. I appointed you. Je t'ai élu. I ordained you. J'étais I helped choisi. You. Je t'ai aidé. You've forgotten. Tu as oublié. Those who accuse. Ceux qui accusent. Those who forget. Ceux qui those who walk away. Ceux qui sortent. Those who are disloyal. Ceux qui sont déloyaux. You forget all these ils things. Ils ont tout oublié. And they turn themselves into Satan. Et ils se tournent en transformant Satan. To fight. Pour lutter. God's servants. Le serviteur de Dieu. I was surprised. J'étais étonné. When I found people. Quand j'ai trouvé des gens. Fighting Benihin. Qui luttaient contre Benihin. In his own church. Dans sa propre église. Pastors. Les pasteurs. People. Les gens. I went to Orlando. Je suis allé à and Orlando. I went to Benihin's church. J'étais allé à l'église de Benihin. Where he used to have a church. Où il avait une église. And I asked one pastor. Et j'ai demandé à un pasteur. Why did Benihin leave here? Pourquoi Benihin a quitté cette ville? And he said, yeah, I think he was tired of this place. Il a dit, je crois qu'il était fatigué de cet endroit. He said, in the news. Il a dit dans les informations. Every day, tous les jours. Something bad. Quelque chose de mauvais. About him. À propos de he lui, said, à son people sujet. Used to stand outside the et church. Et les gens se tenait en dehors de l'église with big banners, avec les bannières where it's no man's land, où la terre n'appartenait à personne where you can stand, vous pouvez vous tenir with banners, avec des bannières and say, we hate you. Et dire nous vous haïssons we hate you, Benihin. Nous vous haïssons Benihin go away. Sortez de là we don't like you. Nous ne vous you're aimons bad pas man. Tu es mauvais stand outside the church. Ils étaient dehors, en dehors de l'église normally. Et c'est quelque chose de courant. Yeah. An anointed person. Un homme oint comme somebody ça. Who would travel all over the world and be received quelqu'un as qui voyage partout le monde Jesus Christ coming et to on a le place. Reçoit comme Jésus-Christ lui-même. Hey. Hey. But you see, Satan has no regard. Vous voyez, Satan n'a pas de regard. If he had no regard for God. Et vous voyez, s'il n'a pas de regard pour Dieu. You know, sometimes some people when people are talking to you, parfois quand les gens vous parlent, and a particular person speaks to you, et une personne en particulier vous parle, you have to realize that the level of the person speaking to you has reached the climax. Vous devez vous rendre compte que le niveau de la personne, and that particular person, envers vous. You have to cette personne listen to him. Vous devez l'écouter. You have to listen. Vous devez l'écouter. You have to change. Vous devez changer. Because of the level of the person. À cause du niveau de la personne. There must be a limit. Il doit y avoir une limite. With your rudeness. Avec ta and your attitude. Ton attitude. And your behavior. Et ton comportement. That at a certain point. Qu'à un certain niveau. You will listen to this particular vous one. Devez écouter ça en particulier. I remember. Je me souviens. One day. I was working with Bishop Duncan Williams. Un jour, j'étais avec l'évêque Duncan Williams. In his church. Dans son église. He was showing me. Il me montrait. Something. Quelque chose. In his building. Dans son bâtiment. And he was going through a terrible crisis. Et il passait à travers une crise terrible. So I asked him. Et je lui ai posé la question. If Archbishop Benson Idahosa. Si l'archevêque Benson Idahosa. Was alive était today. Était en vie aujourd'hui. How does he think this trouble that we were going through? Et vous pensez comment est-ce qu'il allait prendre ce how problème? How does he think it would be? Il pensait comment ça devait être? And I was on his side. He was here. Just the two of us. We were c'était walking juste there. Nous deux. Nous marchions he à said, côté. Oh. Il a dit. Because oh. Idahosa parce was Idahosa his father. Était son père. He
he trained him in the Bible, in ministry. C'est lui qui a formé dans le ministère. And ordained him and everything. L'a élu, l'a choisi. And did a sword cutting for his church. Il a coupé le opening of the church. Oui, il a ouvert son église. He said, il a if dit, Idahosa was here, Idahosa était là, he would just wave his hand like this. Il devait juste bouger he la would main just comme wave ça. His hand il devait juste bouger la main comme ça. And say, wait. Et dire, attendez. Wait till I tell you. Attendez jusqu'à ce and que je vous dise. That would have been the end of everything. Et ça aurait été la fin de all toute chose. All the trouble would have ended at that tous point. Les problèmes seront déjà accomplis. Everybody complé. Involved in that trouble. Parce que tout le monde qui était impliqué dans just ce problème, wave at them, il devait juste mettre say, fait la main wait. Comme ça et dire attendez. And they would have waited forever. Et ils auront attendu that à jamais. Would have been the end of the et trouble. Ça aurait été la fin yeah. de l'affaire. Yeah. But only that voice. Mais juste que cette voix was no more there. N'était plus là. The person who could speak. La personne qui pouvait parler. And just wave his hand and et say, juste faire I la say, main wait. Comme ça et j'ai dit when attendez you, yeah. quand je vous dis. You hear from me. Vous allez entendre de mes nouvelles. You see, there must, yes, there must be a level. Il doit y avoir un niveau that you bow to. Auquel vous devez vous soumettre. That you respond to. Que vous auquel vous that respondez, you say, répondez. For this person to speak. Que vous dites pour que cette personne parle. The person who that, you see, the person, we have different people in your life. Nous avons des différentes personnes dans la vie. Somebody who can bless you. Vous avez quelqu'un qui peut vous bénir. And somebody who can curse you. Et quelqu'un qui peut vous maudire. You can't curse everybody. Vous ne pouvez pas maudire tout le monde. You can curse. Mais il y a des gens que vous pouvez maudire. It depends on what you have done for somebody. Ça dépend de ce que vous avez fait pour la personne. If you look at Hebrews chapter 6. Si vous regardez Hébreux 6. Come to like verse 5. Le verset 5. Go down and go down. Yeah, this one, verse 7. Le verset 7. It says, "The earth which drinketh the rain." Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie. Amen. Now, do you know that there was a flood in just about 20 kilometers from here? Vous savez qu'il y avait une inondation juste à 20 kilomètres d'ici. Yesterday. Hier. Okay, what it means is that. Ce que ça veut dire? Not all the earth, because here we have no flood. Ici, on n'a pas d'inondation. It means that not all the earth. Donc ça veut dire que c'est pas toute la terre. Receiving that type of rain. Car qui a reçu ce genre de pluie? To that tune of rain. À ce niveau. To that level of blessing. À ce niveau de not bénédiction. The whole earth. C'est pas toute la terre. He said, "The earth which drinks the rain, lorsqu'une terre est abreuvée that cometh par la pluie, often upon it, qui tombe souvent sur elle, and brings forth herbs, et qu'elle produit une herbe, meet for them by whom it is dressed, receive à blessing. À ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction." Verse 8. Verset 8. But that which beareth thorns, mais elle, si elle produit des épines, and briars, et des chardons, is rejected, elle est reprouvée, and is nigh, et prêt. And to cursing, d'être maudite, is become very prone to receive a curse. C'est devenu très proche de recevoir une malédiction. Not everybody. C'est pas tout le monde. Is curseable. On peut maudire tout le otherwise, monde. Otherwise, we will all be cursed by anybody. Sinon, nous serons tous maudits par tout le monde. I can just curse anybody. Je peux juste maudire quelqu'un. But there are people that I can curse. Mais il y a des gens que moi je peux maudire. And it will happen. Et ça va se produire. Through me. À travers moi. You've received a lot of rain. Vous avez reçu beaucoup de pluie. Salvation, some le of salut you. Salut pour certains. You have been in the ministry. Vous êtes dans le ministère. I've ordained you. Je vous ai élu. Appointed je you. Je vous ai choisi. Help you. Je vous ai aidé. Fed you. Je vous ai nourri. Taught you je vous ai enseigné all these kind of toutes things, ces choses, you know, and other things. Et autre chose. So, such a person, une telle personne, who receives the rain, qui a reçu la pluie, not just somebody, pas juste quelqu'un, n'importe qui. I see somebody, I don't even know you. Et puis je vois quelqu'un, je ne le connais pas.
That person cannot just easily be cursed. La personne ne pourrait pas être maudite facilement. But the ground, mais la terre, the ground, la terre, which receives the rain, qui a reçu la pluie, often, souvent, often, that's souvent, that's the ground, c'est la terre, that's the ground which is nigh, qui est près, unto a curse, d'être maudite. Not just every ground. C'est pas toutes les terres. Yeah. Oui. So everybody has somebody who can curse him. Donc tout le monde a quelqu'un qui peut le maudire. Everybody has somebody. Tout le monde a quelqu'un. Or some people who can curse you. Ou des gens peuvent les maudire. Not everybody can curse you. C'est pas tout le monde qui peut te maudire. Yeah. Not everybody c'est can curse you. C'est pas tout le monde qui peut te That's maudire. That's why the Bible says a curse. Ça, c'est pourquoi la Bible dit qu'une malédiction sans effet, sans cause, it cannot come. N'est sans effet. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So. I don't know. There are a lot of people around. Donc je sais pas, il y a beaucoup de gens autour. If I take this lady here, si je prends cette dame ici, she will not be standing here to preach. Elle ne serait pas là en train de prêcher. Yeah. Oui. She will not be standing here elle to ne serait preach. Pas là en train de prêcher. Yeah. I officiated her wedding. C'est moi qui a officié leur mariage. Prayed for her. J'ai prié pour elle. Counseled her. Je lui ai conseillé. Pray for her to have children. J'ai prié pour qu'elle ait des enfants. When she couldn't have children, quand elle ne pouvait pas avoir des enfants. She had children, et elle a eu des enfants. You can ask her. Vous pouvez la poser cette question. Miracle children. Des enfants de miracle. I've made her pastor. Elle est pasteur she didn't maintenant. Want to be a pastor. Elle ne voulait pas être pasteur. You see so many people that are following her. Vous voyez les gens qui la suivent. Now I put her on the stage. Elle est maintenant sur l'estrade. Giving her a job. Elle a un travail. Made her famous. Giving her a car. So many things. Hey. Elle est devenue so fameuse. Tomorrow, elle a une voiture. Et si if demain, tomorrow, et si demain, you get a fever, elle a une fièvre. High fever. Une fièvre élevée. And start to speak. Elle commence à parler. Some way. D'une manière. You may be surprised. Vous serez étonné. Somebody just turn their finger like this quelqu'un and say. Quelqu'un peut juste lever la tête et dire vous êtes. Or the wind is against ou you. Le vent est contre toi. The wind is against you. Le vent est contre toi. You'll be surprised. Vous serez étonné. But you stand up. Vous, stand up. Levez-vous. Have I given you a car before? Est-ce que je vous ai déjà donné une voiture? Have I officiated your wedding? Est-ce que j'ai officié votre mariage? Have I prayed for you Est-ce before? Est-ce que j'ai prié pour vous? Have I given you money before? Est-ce que je vous ai donné de l'argent? Have I ordained you? Est-ce que je vous ai élu? Have I appointed you? Je vous ai choisi. So when I say what is Donc your si name? Je vous dis, I don't know your name. Vous appelez comment même? My name is Christopher. Christopher. Il dit Christopher. So when I say Christopher, Christophe. I want to. Et puis quand je dis Christophe, you are not a ground compared with Dr. Ogo. Vous n'êtes pas une terre, Dr. Ogo. I've not done any such thing. Mais je n'ai you, rien fait pour toi. Stand Mets-toi à côté, s'il te plaît. Have I done something for Est-ce what have I done for you before? Toi? Many things. Qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Plusieurs choses. You appointed me a pastor. Tu m'as choisi. I appointed you as a pastor. Before that, you flew to London to officiate my wedding tu es in venu London. Jusqu'à Londres you bought your pour own ticket and came to London mon mariage. To I bought a ticket un, and came to London to officiate your wedding. Yes. Officier mon mariage. You live in Ghana, but you flew tu to London Ghana, to officiate mais my tu es venu wedding. À Londres okay. Pour officier mon mariage. And what else have I done for you? And you appointed me a pastor. Appointed vous m'avez a pastor. Élu pastor. Yes. Did some people know you as a pastor? Est-ce que les gens te connaissaient en tant que pastor? A normal Christian brother in the church. Chrétien normal dans l'église. What about you? Did I appoint you a pastor? Est-ce que je vous ai élu pasteur? So through that, et donc à travers I've cela, had many people admiring me, following me, giving me envelopes. me suivent et me donnent des enveloppes. What a shock! Quel choc! Even recently, et somebody called me daddy. Quelqu'un somebody m'a called you papa. Daddy. Quelqu'un m'a appelé papa récemment. Have I done anything else for Mais you? Que j'ai fait many quelque more chose things pour toi? After. Appointing me Après as a pastor, pasteur, you continue to teach me. Tu continues à m'enseigner. So I've been a pastor. Je this suis is, pasteur. This year is my 18th year Cette année, wow. ça fait of being 18 a pastor. Ans d'être wow. pasteur. Yes. 18 years. Wow.
18 years. 18 ans. And everything. Have you been ordained? I've been ordained. I was ordained as a pastor 11 years ago. As a reverend minister. Who ordained you? You ordained me. C'est vous qui m'avez. Yes. What about a job? Do you have a job? I've got a job, many jobs. Plusieurs travaux. Which have come with many benefits and blessings. Qui sont venus avec beaucoup de bénédictions. Yes, many benefits, des many blessings. And also, even through you, et à travers through vous, your wife, et à travers my vous, marriage has become very nice. Mon mariage est devenu wow. meilleur. Yes. What a shock! Quel shock! And an after shock. Et un après shock. So, donc, often, you have received, what about your marriage? Have I ever been involved que in your marriage? J'ai parlé dans votre mariage? And also, apart from that, you have given me food to eat. Et vous m'avez aussi donné yes. la have I given you food to eat? Food, your personal food. My personal donné food. Votre nourriture personnelle. You've eaten some of my personal food. I've eaten some of your personal food. Ma nourriture. When we go into the war, I'm going to show you those. The Bible said, those who eat his choice food. On va parler des gens qui mangent sa nourriture. What they will do. Ce qu'ils feront. What about a car? I've got voiture, a beautiful car. J'ai une belle that voiture. I did not pay one CD. Que je n'ai pas payé, même pas un CD. $5? No, not $5. $5 is a lot. It's a lot of money. Was it $5, c'est beaucoup. Home second hand, third second hand, fourth second hand. Occasion, brand new with rubber and all the buttons. Brand new. Luxury car. Une voiture de luxe. Luxury. Une voiture de luxe. You didn't pay. Vous n'avez no, pas payé. Mortgage. No, no. I was standing payé. There when you made a phone call. J'étais là quand vous avez fait un coup de fil. I made a phone call. You made J'ai a phone coup call. De fil. And a week after that. Et une semaine après. The car was there. La voiture était là. Often rain is falling. Vous voyez la pluie tombe. Often rain is falling. La pluie tombe souvent. So if you get fever, donc si tu high tu fever, as la fièvre, and la fièvre speaking, élevée, speaking, et tu commences à parler, 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 you, vous, I can more easily curse you. Toi, je peux facilement te maudire. You, have I bought a car for you? Mais est-ce que j'étais déjà acheté une voiture? Job, have I given you a job? Je t'ai donné un travail? Never. Have you eaten my food before? No. Est-ce que tu as déjà mangé ma nourriture? So do you know that because you ate my food, maybe tu sais, I didn't get enough? Tu sais, parce que tu as mangé ma nourriture, ça m'a pas été suffisant. Hey, bon. You may never know. Peut-être tu ne saurais jamais. Wow. Have I taken you anywhere? Est-ce que je t'ai fait voyager quelque part? We have sat. Mais on the plane, side by side, on était à côté l'un à l'autre dans l'avion. Traveled to many countries. On a voyagé à plusieurs many pays. Countries, many plusieurs countries. Pays. I would not have been there for que any moi, reason. Je n'aurais jamais visité. But wow. through aucune you, raison. I've seen those countries. Et à travers wow. toi, j'ai vu ces yeah. pays. And through you, et à people toi aussi, outside, les gens foreigners, en dehors, les étrangers, have admired me. M'ont admiré. Yeah. And bless me. Admiration. Admiration. You've received admiration. Admiration. Envelopes. Envelopes. Different envelopes. Les enveloppes. So if you get high fever. Et si tu reçois, maintenant tu as une fièvre élevée. The Bible says it's the ground. La Bible dit que la terre. Which drinks the rain. And all this is you've drank them. As nobody can see because no. you have swallowed all. Personne ne voit ça. Tu as mangé cela. That cometh often. Qui tombe souvent. Often. Invitations. Les invitations. Have you been invited to? Tu as été invité? I've been invited to places to. J'ai été invité à not just endroits. To preach, but pas seulement pastors. Prêcher. Head pastors have invited me to les teach their pastors principalement for them. Invité, teach, enseigner leur pasteur. Churches, pastors of churches. Pastors des églises. Action. Which is action? Christian Archbishop Archbishop Duncan Williams's pastors. The Archbishop called you. He called me that I should go to his church and spend time with his pastors once a week for about 3 months and different seasons. And I hold your book to teach. Wow. So through what I teach, I'm invited again. So next 2 weeks, you again. Next donc, 2 weeks, I'm going for another season. But I saw him talking to you. He was talking to me yesterday. You become important. I become they very don't important. Even consult me. They don't even consult me. Même pas consulté. They are no more consulting et me. Ils ne me consultent plus.
They are not, no, Archbishop did not invite me. L'archevêque m'a pas invité. He didn't invite me. Il m'a pas invité. I saw him pointing to you and talking to mais you. Mais je l'ai vu en train de te parler, mais. I decided not to investigate. Mais je ne voulais pas faire investiguer. I realized that now you are just receiving invitations on the side. J'ai vu que maintenant là vous recevez seulement les invitations. So you see, when what about you? Have vous you received any invitations? Est-ce que on vous a invité? No. Nobody has invited personne you. Personne ne vous a invité. Oh, look at this brother. He looks so regardez lonely. Le frère. Nobody has invited him. Il est seul, personne ne l'a invité. Oh. And you have everything. Et vous avez you tu have as invitations. Tout. Tu as des invitations. To different churches. À des have I taken différentes. You abroad with me est-ce before? Est-ce que j'étais fait voyager avec moi? One day, il a dit non. Because of me, mais un jour, à cause de moi, you flew economy. Tu as voyagé classe économie. You said no. You want to sit with me? Tu we're going to South Africa many years avec, ago. Avec moi. Yes. So I was even asking you why j'ai are you demandé, sitting with me? Pourquoi tu t'assois avec wow. moi? So no, you want to spend the time dis, with non, me je on veux the passer flight. Le temps avec wow. toi. Amen. You may never know limited. Tu ne saurais jamais incorporer société. Hein? It's blessed more. More than you. Yeah. You don't have anything. Non, moi, je n'ai rien. Somebody should come and give the brother an offering. Est-ce que quelqu'un peut donner somebody should come and give the brother some. Quelqu'un. Oh, somebody should come and put some money in his hand. Oui, quelqu'un doit mettre de l'argent dans sa main. Wow. Wow. He's receiving rain. Wow. Oh, nobody is giving me anything. You have received a lot already. Rain. La pluie tombe. Wow. Now. Mon frère. Put it in your pocket quickly. Hey, mettez ça dans la poche vite. Wow. They are coming more. Ça vient. Next time, sit in the front again, okay? La prochaine fois, il faut se mettre devant encore. All right, okay. Okay, c'est bon. Put it in your pocket. Mettez ça dans la poche. They are coming. It's okay. Nobody, no more. Okay, c'est bon. Finish. C'est bon. Put it in your pocket. Mettez ça dans la poche. Now you have also now received some rain. Toi aussi tu as reçu de la pluie. So when you suddenly start to become annoyed, donc si tu commences à te fâcher, because maybe they were sharing books, you didn't get parce one, on and you just wave your hand. Toi, tu n'as pas reçu. Tu commences à faire bouger la main. Brother, mon frère, lève-toi. Have you received any dollars at a convention? Est-ce que tu as déjà no. reçu des dollars à not une yet. Convention? Not yet. Pas encore. Give the Lord a shout of prayer. He said, not yet, il a not dit, yet. Pas encore. He's expecting a miracle. Il attend un miracle. Sing that song, I expect a miracle. I expect sit down. A miracle today. J'attends mon miracle aujourd'hui. Nothing is impossible, rien n'est impossible to those who believe and say. À ceux qui croient et disent. And I believe et je crois God's word is still la the parole same. De Dieu est pareille. Reste le même. For I car expect a miracle, today. I know I will be whole. Je sais que je serai guérie. She pressed
she touched his clothes, her blood began to dry. And she knew she received the miracle she needed that day. The centurion with a servant who was healed heard that Jesus had the power to heal. And he said, Lord, if you just speak the word, I know my servant will be healed. Jesus said, go your way as you believe. You will find a servant healed and free. Because you came expecting a miracle from me. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now, I want to go on to. Je vais continuer. How many facts have I given you Combien about the war? Combien de points est-ce que je vous ai donné par rapport à la guerre? Okay. In the next session, I'm going to take a break for 5 minutes. Nous allons prendre une pause de 5 minutes. We are going to give you some books. Nous allons vous donner des livres maintenant. Amen. Amen. As a gift.